Quelle belle vue. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon Let's Play. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Faudrait peut-être s'attaquer un petit peu à l'aplatissage du terrain. Je sais pas comment ça se dit. Pour nous faire une petite maison quand même. Mais bon, c'est pas maintenant qu'on va finir la maison. Je sais même pas si c'est maintenant qu'on va la commencer d'ailleurs. Voilà. Je commence à récolter un petit peu de terre. Voilà. Ici, je vais laisser comme ça. Après, c'est une forêt, donc une forêt artificielle. Il pleut toujours, hein. Donc, j'ai fait des délimitations avant de faire le premier épisode. C'était pour remplir de terre, mais je sais pas comment je vais faire. Ouais, donc ici il y a déjà une belle surface. Et je pense raccorder tout ça avec ça, cette surface-là, cette hauteur-là. Ah, même pas, avec cette hauteur-là. Et ma maison, je voudrais la faire plutôt vers cette vue. Pourquoi? Parce que l'autre c'est vraiment en dégradé, enfin ça descend progressivement, alors que là ça descend net. Ça descend raide. Enfin, je sais pas vraiment où je vais la faire, cette... Ici, voilà, c'est... vous voyez, c'est tout droit. Je sais pas, la vue est pas mal. Bon, là, il pleut, donc on peut pas en juger grand-chose. J'ai des fleurs, ça pourra servir pour la déco. Un beau champ de fleurs, d'ailleurs. Là aussi, il y en a pas mal, des fleurs. Ou la maison, je la fais ici. Mais voilà, vous voyez, là, je peux pas faire parce que je voulais faire une vitre sur le côté pour qu'on voie, il y a une vitre dans la montagne. Sauf que la vue est pas mal aussi, mais c'est pas plat, quoi. Donc c'est limite impossible. Non, je vais faire la façade ici. La porte, elle sera par contre de ce côté. Enfin, en visant ce côté. Mais bon, pour l'instant, il faut s'attaquer au terrain, au modeling du terrain, je crois qu'on dit comme ça. Et pour ça, hop, on va casser ça, mais le problème c'est que j'ai rien récolté. Je crois pas, le loot, est-ce qu'il va venir? Non, il vient pas. Bon, bah tant pis, hein. Pour que ça fasse un peu plus droit, parce que ça fait un peu laid ce truc. Oula, je prends des risques! Je me mets accroupi quand même parce que on sait jamais. Toute cette terre gaspillée. Ouais. Pas le choix hein, si on veut faire une belle maison. Alors après, j'en sais rien que ça sera belle hein, parce que bon. La déco n'est pas trop mon truc. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais. Bon, on verra hein, si j'ai des beaux talents en déco. J'en sais vraiment rien. Vous jugerez par vous-même. Bon, là, après, je sais pas si je détruis cette façade. Non, ça fait un petit peu trop carré. Oh, il se couche, le collège. Oh là là! Ouf, le soleil. Ah, oh, c'est beau quand même, hein, la vue. Bah, c'est dommage parce que la maison, elle sera placée là. Ah, mais si, on verra quand même le soleil se coucher un petit peu, là. Ah, et la maison, est-ce que je peux pas la faire là-bas? Bon, je pense pas, ce sera pas très beau. Ou là-bas, non, c'est pas assez plat. Là non plus, c'est pas trop assez plat, mais bon, je peux le faire moi-même. Est-ce que la vue est mieux ici? Ah ben non, c'est toujours le même problème. Désolé, petit problème technique. Je disais, c'est toujours le même problème, ça descend pas net, quoi, pas direct. Non, bon, c'est pas très grave pour le coucher de soleil, bon. On le voit un petit peu, ça reste raisonnable, j'ai envie de dire. Je récolte vite fait parce que la nuit est tombée, du coup. Elle, par contre, est tombée nette. Hop. Non, je plante pas des torches, moi. Et on va aller se coucher. Ah oui, c'est un squelette, j'ai cru que c'était un mouton.
On va pas apprivoiser du squelette, hein. Bon. Qu'est-ce que je pourrais crafter? Ben rien du tout. On va... Si, si, si. Des escaliers pour aller dans la mine. Hop. Ah, j'ai pas assez... Bon. Hop. Oui, comment je fais mes escaliers, moi? 64. Je fais comme ça, je vois. Je ne vais pas bien. Hop, tac, 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 tac. Pardon, je sais pas si on va les poser aujourd'hui, mais bon. Voilà des beaux escaliers. Enfin, bon, ils sont pas très beaux. J'aime pas trop le style de la cobble, mais bon. Pour une mine, hein, on va pas non plus. Quoi? Nerby? Ça veut dire quoi, Nerby? À côté? Zerar Monster Nerby, juste à côté. Mais oui, mais je suis dans un mur, je crains rien là, t'es con quoi. À moins que je casse la porte et que je mette du bloc. Non. Nerby, je pense que ça veut dire à côté ou. Je vais voir ça, je vais. Pardon. Je vais mettre tout ça en français. Hop. Je suis con, j'aurais pu le mettre directement sans quitter. Voilà, c'est dégueulasse la police comme ça là. Je sais pas pourquoi ils mettent une police d'ailleurs toute lisse. Ah bon, bah j'aurais pas la traduction. Oh, ce bug! Vous avez vu les torches? Quand je me suis couchée, en bougeant ma souris, je pouvais faire bouger la flamme. Enfin bon, j'ai remarqué qu'avec les lits, il y a pas mal de bugs. Il y a Canton qui dort. Il tombe du lit à chaque fois. Enfin bon, c'est assez spécial les bugs dans Minecraft. Mon dieu, qu'ils sont nombreux, mais bon, mon dieu, que le jeu est bon. anglais, anglais, anglais. C'est English, oui. Bon. Eh bien, je pense qu'on va retourner dans la mine. Ou alors. Oui, j'avais. Non, oui, c'est vrai qu'avant la coupure, je disais de faire le terrain. Bon, on va faire ce terrain. Hop. J'ai une petite idée quand même pour la maison. Enfin. Ah, c'est une araignée, j'ai cru que c'était. Ah, mais ça se relie pas. Si, ça se relie. Ça se relie. Oh non, non, non. Je comprends plus rien, là. Je comprends plus rien. Je voulais faire la façade ici. Ah ouais, mais ça passe quand même. Bon, alors, il a fallu que ce soit un petit peu plus plat, sans terre, comme ça, et tout. Pff, ça va pas être facile, je sens. Encore une coupure. Désolé, le téléphone sonne. Bref, oui, on dirait un trou de creeper, mais c'est par là que je suis montée sur cette colline, je m'en souviens. Donc c'est relié à cette colline, c'est bon à savoir, c'est pas très beau, c'est pas très soft. Safe, pardon, comme... bon, il y a du... Du mouton. Donc la maison sera ici. Sera ici, là c'est la forêt, là c'est la mine. Ouais, c'est pas moche quand même. C'est difficile de s'y repérer, de s'y retrouver, de construire, mais c'est pas moche. Hop, juste pour un os. Ça pourra toujours servir. Ah, je voulais apprivoiser la meule. Elle était où la meule? Oh, il y a une grotte là-bas. Faut pas que je me perde. Là, il y a des meux. Je vais vite fait voir un petit peu ce qui se trouve ici. La maison est là-bas.
Ah, c'est parce qu'on voyait en visant fin. Ah non, c'était là-bas. Bon, c'est spécial, hein. C'est très spécial, je dis moi, comme endroit. Donc il y avait une mine en dessous, j'ai vu. Fait une mine, une caverne. Qui est directement reliée. Il y a de la lumière. Il y a du charbon, il y a du creeper. C'est quoi qui se balade là, dans l'eau? C'est du creeper. Putain! Oh les boules. Vite. Vite, vite, vite. Heureusement, j'avais pas de diamant. C'est où Ah, c'est là. Oui, bon, je dois avouer, j'ai pas trop bougé. Hein. J'ai entendu le creeper, je me suis limite laissé mourir. Bon, no comment. C'était où? C'était là-bas, je crois. Ouais. La maison est là. C'est là que j'ai spawné. Je me souviens que cette. Ah non, c'est non, c'était une autre map, excusez-moi. Ouais, en tout cas, j'ai spawné pas loin. Ouais, voilà, c'était là-bas. Oh putain, pourvu que j'ai rien perdu. Oh putain! J'ai cru que j'allais y passer. Ah, c'est du métal, je l'ai loupé. Non, j'ai rien perdu a priori. À moins qu'il y ait des loots qui sont tombés. J'ai perdu du bois. J'ai perdu une pioche. Bon, c'est la pioche en fer. Très important. J'ai toujours mes torches. Un seau. Pioche en. Ah, c'était celle-là. J'en avais deux de pioche. Ah bon. J'ai perdu du bois. Ah, là-bas il y a des sticks. Oh, putain! Oh putain, mais c'est quoi ce truc de ouf? Et de la lumière. Et du creeper. Ouais, j'ai perdu des blocs. Oh non, j'ai perdu mes blocs. Ah, ils sont là. Ah, j'ai tout récupéré. Ouais, viens, XP. Viens, XP. Bon. Bon, j'ai tout récupéré, ça c'est une bonne chose. Cuxac. Ah, ça sent la mer, ça. La mer, hein, pas autre chose. Oui. Donnez-moi votre encre. Donne-moi ton encre. Allez, donne-moi ton encre. Un petit peu d'encre. Ouais, c'est bon ça. Ah merde, je t'ai tué. Il faut les tuer pour avoir l'encre. Je crois pas, non. Non. Ah bah si. Bon. Merde, le timer. Oui. Bon, ça, c'est raté.
Ouais, y a pas grand chose. Peut-être en dessous là, je sais pas. Bon. On va retourner, c'est pas la plus safe ici. Ah, il y a encore des blocs là que j'ai pas récupérés. Voilà, là j'ai tout récupéré. Ah, là j'ai tout récupéré. Bon. C'est par où? C'est par là-bas. Bon. J'ai à peu près tout récupéré. Ouais, en théorie, j'ai tout récupéré. Le métal, ça peut toujours être utile. Et il y en a pas beau. Il y en a pas peu. Pas peu. Pousse-toi. Enfin non, le bloc ne va pas se pousser tout seul, je sais, mais bon. On peut toujours essayer. Le zombie. C'est toujours la mer là-haut. Il y a un petit peu la mer pour l'escalader d'ailleurs. Non! Voilà! Oula, le bloc sonore. J'entends un Enderman aussi. Il y a un Enderman. Faut pas que je le regarde. Oui, je flippe hein, là. C'est comme ça. J'espère que je vais pas me perdre et. Enfin, pas me perdre du coup. Que je m'éloigne. Oh, mais c'est qu'il y a du métal ici. Je vous avais dit, cette map, elle est paradine. C'est le paradis, elle est paradine. Mon Dieu, les jeux de mots. J'aime les jeux de mots. Les jeux de mots pourris, surtout. Oui, c'est sûr. Oh, putain! J'en étais sûr. J'ai vu du zombie. C'est un spawner à zombie. Ah non, même pas un squelette. C'est du squelette! C'est du squelette! C'est ce que je cherchais. C'est parfait, les amis. C'est vraiment parfait. J'ai vu le spawner à squelette! On va pouvoir nous faire une machine à squelette. Je suis content! Je suis content! Ah putain, c'est excellent! Hop, on va mettre deux torches pour les squelettes. Deux torches. Ouais, faudra les économiser quand même. Hop, deux torches. Deux torches. J'ai du charbon? Je n'ai pas de charbon. C'est où la sortie? C'est là. Je t'ai pas vu, toi. J'ai pas de table de craft. Plus d'épée. Allez, meurs, connard! Je flippe là. Je flippe, je flippe. C'est la nuit.
Ah, les vaches, pour me rassurer. Non, le minerai, ça me rassure, hein, d'entendre des vaches, ça veut dire on n'est pas très paumé, on n'est pas loin de la surface. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Bon, on va se faire un... Ah ouais, voilà. Il faudrait que je me fasse une petite zone de protection. Non, j'ai pas assez de... ouais, j'ai de la bouse. C'est pas très esthétique, mais bon. C'est toujours ça. Ah, un spawner à squelette. Eh ben voilà, vous voyez, quand je vous disais en priorité, ce serait mieux, le mieux d'un spawner à squelette. Eh ben voilà, j'ai eu du squelette. Va nous falloir de la lave par contre pour faire ce piège. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, une table de craft, mais avant un petit endroit pour ce. Vous savez, les petits trucs de protection quoi. Et la porte de sortie sera ici. Bon, ce sera un bloc de terre à poser et à déposer parce que pour l'instant. Voilà, c'est ça la porte. Bah non, je peux me faire une table de craft. Est-ce que j'ai du bois? J'en avais, oui, j'ai du bois. Hop, table de craft. Hop, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, des ports déjà. Deux même. Donc là, c'est assez sécurisé, ça va. Voilà. Bon, ben, je sais pas si je l'attaque maintenant la machine, hein, parce que. Non, de toute façon, il me faut de la lave. J'ai pas de lave. C'est. Je sais pas. Je vais me faire un coffre. Franchement, je sais pas ce que je fais. Bon. Je vais pouvoir me faire un four aussi. Non, j'ai pas assez. Non, je n'ai pas assez de cailloux. Y a la compagnie dehors. Bref, je m'en fiche de la compagnie. On va faire un four. Par contre, j'ai pas de charbon. Tout à la maison. C'est con ça. Ça. J'ai besoin de quoi d'autre? De la nourriture. Les os, j'en aurai après avec l'usine. Squelette. Des torches. J'ai besoin de beaucoup de torches. Mais j'en ai pas. Ouais, j'ai beaucoup de choses, il va falloir rentrer. Je crois que le jour est là. On va voir. Ah oui, voilà, il me fallait une épée. un petit peu. Elle est où ma deuxième torche? J'en avais pas une deuxième. Bon. Oui, une épée. En métal, sauf que je n'ai plus de métal. Bon, ben, un caillou. Hop, juste ce qu'il faut. Voilà, c'est toujours ça. Ah, mais c'était l'épée que j'avais, mais ça va alors. Je sais pas, ça a l'air toujours d'être la nuit en fait. Putain, je galère moi pour monter. Je peux pas récupérer la flèche. Putain, j'ai pas beaucoup de cœur. Pas beaucoup de bouffe non plus. Bon, on va se quitter là-dessus, je pense. Pour la porte. Ah oui.
On va se quitter là-dessus, je pense. Quoique, je suis pas sûre, on a fait beaucoup. Oui, si, ouais, sachant que j'ai coupé. Oui, de toute façon, ouais, on se quitte là-dessus, on se dit à la prochaine. Et dans le prochain épisode, je pense qu'on va s'attaquer déjà à l'usine à squelettes. Voilà, premier truc utile dans ce let's play. Enfin, premier truc pour le troisième épisode, une usine à squelettes. Je crois que c'était des squelettes, hein, si j'ai bien vu. Bon, vous verrez ça pour le prochain épisode. Allez, salut à tous.